On peut être dans le coin de Childress, proche du Texas, Panhandle, dans ce coin-là. Je pense pas qu'on ait un setup quand même intéressant. Parce qu'on va avoir un petit peu d'énergie. Pas trop sur cette carte-là, mais ça va monter un peu plus en soirée, parce que ça c'est en après-midi. Et on va avoir un petit peu d'humidité. Le problème aujourd'hui, c'est surtout le retour d'humidité qu'il faut qu'il se fasse, parce qu'il n'y a pas une très grande profondeur, là. Fait que ce qui risque de se passer, c'est que les bases vont être assez élevées de la surface. Mais ça peut être bon aussi, parce qu'on peut peut-être voir des structures intéressantes s'il y a de quoi qui se développe. Ça va peut-être être bon pour la grêle aussi. Parce qu'on a quand même du bon cisaillement. Quand on regarde cette carte-là dans ces coins-là ici, on a quand même du bon. Peut-être 40, même jusqu'à 50 nœuds de cisaillement. Fait que c'est pas mal ça. Fait que là, on est actuellement près de Childress, dans le nord du Texas. En arrière, on a une grosse super cellule qui donne probablement une bonne rotation en ce moment. Donc, on va continuer à surveiller ça. Et justement, à l'autre bout aussi, il y a une deuxième super cellule qui est en train de... Il y a un bon hook dans cette cellule, donc... Fait qu'on est en train de vérifier ça, puis on revient s'il y a de quoi. Ça commence à baisser à part de ça en arrière, fait qu'on fait mieux d'y aller, je pense. Ouais, puis là-bas, ça retourne. Hey, check le beau wall cloud en arrière. Yeah.
ferme la fenêtre. C'est bon? Bon. C'est cool. Ça sent bien, c'est tout. Ouais. Moi, je pensais que ça s'en allait, mais ça sent mieux. Parce que elle, elle vient de se former. Non, là, il faut sortir de là plus vite. Ouais. Ça va atteindre combien de vitesse? 5 km/h, ça va. Ça? Puis il reste campé là. Ouais, oh, ouais, ben c'est du vent, c'est juste c'est une micro rafale là. Ça peut... Grosse micro rafale. Boy, l'air est frais.